J'ai la variole. Pourquoi je chope la variole à ce moment-là? Bon, bah, je crois que ça va vite se régler, cette histoire, hein. Nommer un héritier à ce mureau. Alors là, on a Falseag. Et après, il a son fils. Ok, on peut le renommer. Ah, on va attendre, on va attendre. Mais non, ça sera le quatrième, parce que là, on a le 3 déjà. Ça sera le... Promouvoir la culture, ça c'est bon. Ok, donc j'ai bien fait. Celui-là est couchit. On a découvert les chroniques. Et puis de Médine variole. Mon artisan de la cour a chopé un purée. Faut que la variole ça soigne, sinon on va tuer du monde dans la. Ok, je n'ai plus la variole. On va aller chasser. Et après on partit en pèlerinage. Le problème c'est qu'on a un artisan là qui a la variole et qui peut refiler la variole aux autres. Faire ça. Bonsoir à toi, Marojoli. Oui, les tribus ont toujours beaucoup de troupes, clairement. Ah, par contre, il me faut de l'argent pour partir en... Pour partir en pèlerinage. Ok, bien joué. Et qu'est-ce qu'on a? On a des fleurs pressées. Cool. On m'en fout un peu. Tu dois pas avoir assez de vassaux, sinon. Mais moi, ouais, j'avais réussi à avoir quand même plus de 30 000 ou 40 000 troupes en étant roi de Bohème. Et j'étais resté tribal très longtemps et j'avais résisté à une croisade. Donc, faut voir. Il y en a qui est pas content du maïs que je choisis. Ça va se mettre... Ouais, mais après, c'est des fois des idées de rivalité, ça peut rejoindre très très vite. Hein. Comme je disais. Hein. Alors le pèlerinage, il me faut combien? 600. Ouais, c'est bon, je l'aurai. Allez, si je pouvais avoir les soins, ça m'arrangerait de bien. Par contre... Ah, elle a 41 ans. Je suis pas content... Oui, c'est celui qui est sur le... L'événement en question, c'est celui qui est ici, sur Timalal, et c'est la montée... Attendez, c'est quoi la religion? Toc, toc... Alors, c'est une religion musulmane. Bon, elle doit pas être là-dedans. C'est pas le coranisme...
C'est les Almohades, voilà. L'almohadisme qui apparaît sur cette province-là. Et tu as un calife almohade qui pop. Mais non, non, ça c'est les Almohades. Faut tenir le Maghreb pour. Enfin le Maroc pour pouvoir avoir ça qui apparaît. Oh, j'ai pas eu la chance d'avoir le. Ah, mais je suis déjà homme sage, j'avais pas fait attention. On va aller prendre le sang convergent. Et en fait, les Almohades, Almoravides, pardon, même, c'est ceux qui vont ensuite reprendre la puissance sur le sud de l'Espagne avant que la Castille. Et le Léon ne commence la Reconquista, enfin une Reconquista plus puissante, quoi. Donc c'est un peu les soubresauts des musulmans dans le sud de l'Espagne. Il est là, ton Falseag il a trois traits. Alors bon, il est content, timide et vindicatif, mais il a le physique avenant, il est vif. Après, c'est à savoir si DM sera renommé à Smuro ou pas. Donc, non, non, il est déjà là, Falseag. Je t'avoue que j'ai pas le temps de suivre les Reddit, et puis bon, j'y vais pas du tout sur Reddit, quoi qu'il arrive. Oh, lui, il se fait attaquer. D'accord. Le négus est en train de se faire défoncer là en bas. Hein. Ok, j'ai le point de diplomatie. J'étais peut-être pas au besoin de d'aller jusque-là, mais. On va aller chercher érudit, on va chercher toute la liste ici, si possible. Donc Asmuro, tu seras le. Enfin, tu auras le personnage après Falseag. Mais que je sais pas comment je vais nommer pour l'instant. Et j'ai pas de concubine. Ah quoi que. Ouais, mais c'est ma nièce, ma nièce, ma nièce. C'est professeur de la cour. J'hésite à me marier avec une de mes nièces au final, hein, parce que il y a des risques de consanguinité, mais il y a des risques aussi d'avoir des traits plus intéressants que mon épouse actuelle, quoi. Allez, on prend le risque. Il a eu un événement où il surprend son fils et sa belle-fille attachée nue, lui demandant de les fouetter. Oui, bah si c'est que ça. De les tuer à coups d'attrition, je crois qu'ils n'ont pas tant d'attrition que ça. Mais j'avais réussi à les tuer en les prenant dans la montagne, je crois. Ou alors il faut convertir la province avant que l'événement ne pop. Donc si tu as un bon. Si tu as pas mal de traits dans ce cas-là, tu peux le convertir très vite. C'est comme ça que moi je m'en étais sorti à ce mur. Oui, je me doute, Marandraco. Mais ouais, il y a des événements qui sont assez bizarres et qui sont pas forcément très Twitch ou YouTube friendly, on est d'accord.
Oh. Il est pas mal ce petit Shango. Ça ferait presque des hérités DM, hein. Moi, dans mon cas, j'étais dans une autre guerre et d'un coup, je vois leur armée pop. Je me dis que j'ai suivi à mon territoire pour finir ma première guerre, surtout qu'ils n'avaient pas d'armes de siège, et venir m'occuper de l'après. Ouais, mais ils ont des guerres saintes et puis ils mettent du temps à perdre leurs armées d'événements. Ils sont marrés, Marin Draco, mais. Mais les développeurs, oui, ils se sont fait plaisir, oui. Il y a des grandes chances. Ma sœur a péri. Bon, les territoires Kushite. Ah, purée, on a encore du territoire Bori chez nous. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe à ça. J'aurais pas dû prendre ma nièce comme concubine. C'est un peu con de ma part. Oh, le comté s'est converti de lui-même? Parfait. Bon, bon, on va s'occuper de convertir ce qui est Bori, hein. Ah mais ça veut dire que... Ouais, mais on peut pas maintenant, on n'a pas les traits qu'il faut. Qu'est-ce que ça fait ça? Taille d'élevé, d'accord. Des voisins qui se font botter le cul dans tous les sens. Ouais, bah 84 roues, oui, c'est parce qu'il y a de mieux. Les mauvaises manières. Allez, beauté de la nature. Et n'empêche, cette femme-là, je sais pas si on peut voir le nombre d'artefacts qu'elle a fait. Mais elle a fait un sacré nombre d'artefacts. Et c'est plutôt plaisant. Elle nous a sorti un petit nombre d'artefacts là. Allez, plus de renommée. Lui, il a 11 000 troupes. Oh, puis il a tant d'alliés. Oui. Meilleure qualité, parfait. Culture Fika. Ah oui, d'accord. Devenir poète. La dynastie Kiri obtient 25 de renommée. Ouais, je suis assez fan. Même si je serais plus pour le poète qui augmente.
Ah, le 25 de renommée, c'est rien, mais c'est tellement drôle, quoi. Allez, on va prendre. Ah, j'avais déjà érudit, d'accord. On va aller chercher fidèle. On va essayer d'aller sur prosélytisme zélé. Ça serait pas mal quand même. Mais après, c'est attaquer lui. Je pense que je peux le faire. Vraiment, je pense que je peux le faire. Ouais, j'ai des emmerdes là sur mes. Ça me plaît pas. Bon, alors est-ce qu'on attaque Alodi ou pas? Il a 9000 troupes, on en a 20 000 quand même. On commence à faire un peu peur. On va peut-être le déshériter. Ce qui m'embête, c'est que Shango est pas le troisième trait. J'aurais bien aimé qu'il ait le troisième trait. Ça, je m'en fous un peu. Ouf! Ah oui, d'accord. Maintenant, elle nous sort que des trucs magnifiques, quoi. Par ici, monseigneur, dit ma bénéficiaire Niei en désignant la porte de son atelier où elle travaille depuis des mois sur ma commande. En franchissant le seuil de la porte, je suis stupéfait par l'œuvre suspendue devant moi, une grande tapisserie en laine d'agneau de qualité magistrale. L'étoffe représente une scène de chasse. Plusieurs chasseurs, armés d'arcs et de lances, entourent un animal blessé et sont sur le point de lui porter le coup de grâce. Plutôt classe. Plutôt ouais plutôt classe quoi clairement ouais, quoi qu'une durée de couronne mais après il y a celle-là qui m'a ouais, mais c'est 0,4 ah, c'est 0,04 mais c'est vrai que le la durée de couronne moins 12% c'est pas mal aussi quoi hein. Ah mais j'ai trop besoin pour l'instant de renommée. Alors voyons voir. Ah elle est quand même classe hein. On commence à avoir quelques artefacts en bonne qualité hein. La tête de qui que je veux? Mon champion. M'en fous. Je m'en fous un peu. On va faire ça. Bon, faire un banquier quand on a la goutte, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais que voulez-vous? On va faire ça. Ah, je vais peut-être faire des bâtiments quand même. Ça serait pas mal. Est-ce que je peux améliorer les châteaux? Non, je peux pas.
Eh, ça commence à coûter cher, hein. Je viens de dépenser près de 2000 balles là. Il y a encore du copte et du ibadi qui traînent. Hein. Ils ont du mal à convertir pour le moment. Ah, j'ai trop envie de lui déclarer la guerre. Hein. Ah, j'ai pas vu. On commence à piquer les territoires sur le voisin, là. Ah, d'accord. Et ça, c'est duché complet en plus. D'accord. 99 ans. 90 ans. 41 ans. 49 ans. Ça me va, ça me va. Ouais, je pense qu'on va attaquer. On a 52 pièces par mois. Alors, par contre, est-ce qu'on prend le duché de Makuri en complet? Ou est-ce qu'on prend plutôt le duché de Alua? Qu'est-ce qu'en pense le chat? Makuri? Après, c'est. Il a 21 000 troupes, il est pas. Enfin, il est puissant avec ses alliés, mais pas si puissant que ça après. Ça splitterait son territoire, donc. Pas si ça fait partie, non. Parce que ça fait partie du même royaume, donc ça se splittera pas. Vu que ça appartient au même royaume, ça se splittera pas. Et c'est là où j'hésite à prendre des zones agres supplémentaires pour. C'est quoi la règle par défaut à ce niveau? Normalement, c'est tu as pas de les territoires peuvent se split seulement si c'est pas dans le même si c'est pas dans le même enfin si les titres possédés par le suzerain ne sont pas des territoires de jure. Je crois que c'est ça. Hein. Si on prend la règle. Les enclaves des territoires IA indépendants en paix seront retirées lors de la succession, sauf si elles sont reliées par une voie navale ou une partie du territoire de Jure. Donc là, ça veut dire que théoriquement, comme il a le territoire de Jure, ça ne se libérera pas. Donc dans ce cas-là, ça marche pas. Parce que si je prends Alua, ça ferait ces 5 territoires-là. Mais je ne serai pas en contact avec les Touloumides encore. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que la Perse est en contact avec moi. Aïe. Et la Perse, c'est 49 000 troupes et ils sont alliés aux Touloumides. Ouais, Alua, ouais. Le problème, c'est ça veut dire qu'on laisse ce territoire-là. Ouais, mais après, il est défendu. Il a deux maisons de tour. Il est pas si mal. Ce qui m'inquiète, c'est plus Feridun là. Parce qu'il a pas trop droit. Hein. S'il a un autre roi là, quant à Miramaziaride. Ça m'embête, hein. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Mais bon. Bah, le reste du monde, pour l'instant, bon, les Aghlabides, Mouammarides, et bon, on a la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. On a les Oumeyades, bon, les empires ici n'ont pas bien changé, de toute façon. Si ce n'est que eux se font attaquer par.
Prince dans la revendication Poitevine sur Empire de Navarre. Oh. Alors si lui récupère la Navarre, il va faire défection de l'Empire de France. On a toujours l'Empire d'Italie, la Bavière, la Pologne. Bon là, on avait vu qu'il y avait des mozarabes, mais il est plus mozarabe d'ailleurs lui. Il est redevenu catholique. On a eux ici. L'Irlande est sur deux royaumes. Hein, c'est de la Tanistrie d'ailleurs. Pour le coup, on a l'Angleterre ici, le Pays de Galles. On a une belle Norvège et avec un tout petit Danemark qui est pas très bien. Mais la Norvège est insulaire pour le coup. On a Sapmi insulaire aussi. On a la Finlande qui est juive. Le Bjärmland juif aussi. D'accord. Pourquoi pas. On a une Russe blanche qui est orthodoxe. Bulgarie orthodoxe. Byzance orthodoxe aussi. Une Hongrie catholique. Croatie catholique. La Féridune a des territoires encore là-bas. Ok. Bon, on a les steppes hein, qui se débrouillent. On avait l'Empire de Mongolie passé un temps, hein, de mémoire. On a les Safarides ici, les Samanides ici, les Taïrides aussi. Ça, c'est des familles qui tiennent bien. Le Lahore, ça va. Pas d'empire vraiment du côté. Quoi qu'il me semble qu'il y avait l'Empire du Tibet, mais je sais plus. Donc, non, on va voir. Bon. Toi, t'as pas d'alliés. Conquête du duché. On va les prendre à Alois. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va chasser? Oui, on va vraiment baisser ce stress là qui m'inquiète fortement. Oula! D'accord, 9000 troupes, ouais. Les Moudjahidines de balade, ils vont pas faire semblant là. Ils viennent monter à 17 000 troupes. Chamelier de combat, Mangono, Archi, Piétaille, Moubarizoun. Ouais, ça. Il va falloir qu'on intervienne vite. Shango à la variole. Ah merde! Non, faut pas qu'il ait la variole, pas maintenant. Pas maintenant, Zinedine, pas après tout ce que t'as fait. Bon, tant qu'il attaque pas, moi ça me va. Je vais pas m'amuser à faire des cadeaux maintenant. Alors, est-ce qu'il est mort? Il a survécu, le petit. Tant mieux. Faut qu'on attrape son armée. Ah, s'il y a les ordres saints et qu'ils peuvent lever 10 000 troupes, on n'est pas bien, hein. Allez, c'est bon, on va être à temps. Donc ça va le faire revenir.
Allez, on a le bonus. Ouais, c'est vraiment. Bon. Passer à plus 35%. N'empêche, notre piétaille, elle fait le travail, hein. Notre piétaille fait le boulot. Est-ce qu'on vit la communion mystique aussi? Ouais, on va le faire. Merci à toi, Raccoon, pour le follow et bienvenue dans la communauté. On a une armure, on a piqué une armure lamellaire égyptienne, autant dire que c'est rien d'intéressant. Je ne prétends pas comprendre pleinement vos habitudes et vos pratiques. Cependant, je dois vous dois pour l'effort évident que vous faites dans vos prières. Si seulement chaque vrai croyant était aussi pieux que vous. Vous optez conseil divin.